le Saint-Père, lui a confié le sort de l'humanité en entier. En même temps, il a voulu nous rappeler à nous tous que si nous voulons être chrétiens, nous devons être humains, à savoir que nous devons connaître la relation essentielle, vitale et progressive qui unit Marie à Jésus et qui nous ouvre le chemin qui mène là où il nous conduit. Cher Père, je suis convaincu que vous savez ce chemin, parce que la raison d'être venu aujourd'hui dans ce lieu saint de la Grèce et de la Grèce a été votre foi vivante dans la Grèce et l'amour sincère pour Marie. En fait, nous sommes réunis en tant que fils de Marie parce que nous savons et reconnaissons qu'elle, même fidèle, qu'elle ne trahit jamais, nous aide et nous accompagne dans notre travail et pour confier notre vie au Christ. Marie représente comme l'un de ses disciples les jours de la Pentecôte. Marie a toujours accompagné le chemin de l'Église. Marie est présente parmi nous et est proche de chacun d'entre nous aujourd'hui. Par conséquent, avec la foi et la confiance, nous pouvons prier le Seigneur Jésus. Que votre mère nous prenne dans ses bras, nous couvre son enfant, nous délivre de tout mal, nous conduise sur la route qui mène vers le ciel et nous place près de votre cœur. En attendant que Dieu le sait, qu'il y ait les plus besoin. Amen. Je vous remercie de votre attention. Mes chers frères et sœurs chrétiens, frères de la religion musulmane, chers amis croyants, en février 1992, le pape Jean-Paul II nous a fait l'honneur d'un voyage apostolique au Sénégal, en Gambie et en République de Guinée. En Gambie, il a souligné les efforts du président d'alors pour s'engager sur la voie du multipartisme. En République de Guinée, il a encouragé à arriver en chacun et chacune tout ce qu'il y a de bon, car le Seigneur a déposé des talents en chaque Guinéen, ainsi qu'à ne pas perdre cette grande qualité d'âme qu'est la capacité de pardonner. À nos frères musulmans sénégalais, le pape a dit : je suis heureux de voir que, depuis l'arrivée des premiers chrétiens sur sa terre, le peuple sénégalais a donné au monde un bon exemple de convivialité. Chrétiens et musulmans, nous devons être des personnes de dialogue, ajoutez. Ces paroles de portée prophétique de celui qui est désormais Saint Jean-Paul II résonnent encore dans nos cœurs, 25 ans après, comme une invite au dépassement
et à la sauvegarde des acquis. Comme Marie gardait tout dans son cœur priant, nous avons quant à nous à nous délaisser d'abord de tout ce qui encombre notre cœur, le péché, et de ne conserver que le bien. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant les chers. Je confesse à Dieu